العالم سمعت يوسف نوح ليندا. قالوا لي سمعت يوسف نوح بن ليندا. سيعرف Ce qu'on a essayé de voir, Bessiata Dishmaya, c'est le din de Panim Hadashot dans les Shiva Brachot. La Gemara dit à la fin de Davzain, Tanu Rabbanan, Mevachim Birkat Hatanim Ba'asara Kol Shiva, Amar Rav Yehuda Vehu Shiba'u Panim Hadashot. Donc, Kol Shiva, on est Mevachim Birkat Hatanim quand il y a 10 personnes, à la condition, dit Rav Yehuda, Shiba'u Panim Hadashot. S'il y a des panim hadashot, on fait kol shiva. Si on ne fait pas kol shiva, la Gemara rajoute dans Dafret. La Gemara rajoute dans Dafret que. Qu'une fois, Ravashi. Voilà. Ravashi, Kla, levé Rav Kahana. Ravashi est arrivé donc dans la maison de Rav Kahana. Yomakama Barich Kulhu. Il a fait toutes les brachot, les sept. Mikan Veilach, mais ensuite, après le premier jour, la première Seouda, Ika Panim Hadashot Barich Kulhu, Veilo Akushe Simcha Be'almahu. Donc, c'est-à-dire, si il y a des Panim Hadashot, il faisait. Sinon, on ne fait que la bracha de Asher Bara. Si y a Panim Hadashot, on fait donc, toutes les sept brachot, Sheva Brachot. Et s'il n'y a pas de Panim Hadashot, on fait que Boré Prea Gefen. Et Asher Bara. Asher Bara, c'est la dernière. Asher Bara, ça sonne le Simha, Hatan le Kalag, etc. Donc on fait avec le vin, simplement les cinq intermédiaires, on ne le fait pas. S'il n'y a pas même Hazot, on peut appeler des voisins. Alors on va essayer de voir. Aslima, assez la chaîne comme ça. Quelle est la Svara? Que Panim Hadashot, c'est Moïl. Alors et là, on va essayer de poser plusieurs questions avec votre permission. Imaginons que quelqu'un était à la Houpa, mais il n'est pas resté à la Seouda. Et ensuite, il est venu donc pendant l'un des repas des Sheva Brachot. Est-il considéré Panim Hadashot ou pas? Parce qu'il était à la Houpa, mais il n'est pas resté à la Seouda. Est-il considéré Panim Hadashot ou pas? Inversement. Inversement. Toujours rien, Marlokos. Quand on ne sait pas, on dit Marlokos. C'est bien. Ah, oui, hein? Ouais. C'est ce que m'a appris mon rabbin. Inversement, il était là à la Seouda, mais il n'était pas à la Houpa. Est-ce que oui ou non peut-il être considéré Panim Hadashot? Puisqu'il n'a pas écouté les Sheva Brachot. Il n'a pas écouté les Sheva Brachot. Il était là, mais il n'a pas écouté les Sheva Brachot. C'est-à-dire, celui qui était à la Houpa, il a entendu les Sheva Brachot. Mais il n'a pas assisté à la Seouda. Dans l'autre cas, il n'a pas entendu les Sheva Brachot. Il a assisté à la Seouda. Est-ce que Shabbat, on a besoin de Panim Hadashot? Non. Shabbat, pourquoi pas? Shabbat, il y a des Shabbat, il y a des Hadashot. Madine, un voisin qu'on ne connaît. Il n'y a que des poussées qu'à la porte. Ah, c'est jamais mon nom. Donc, on va chercher dans la rue quelqu'un pour être considéré, pour être Panim Hadashot, ou un voisin qui est inconnu par le Nir Hatan et la Kala. Ils rentrent, ils sont déjà dans leur monde et puis. Bon, soit il est là. J'ai vu dans un restaurant, il n'était pas 10, et on était à côté, on est de venir Panim Hadashot. Alors, là, pour le... réfléchissons ensemble, Rabbi Yosef. Bien. Vous parlez de la preuve de ceux qui vont au restaurant. Non, je suis dans l'exemple. J'ai déjà, le fait de faire des chambres dans un restaurant, c'est. On va dire, dans la maison de Hatan, dans sa maison. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Je trouve ça extraordinaire pour des gens qui ne sont pas religieux. Ah, ça n'était pas religieux. Les gens, manifestement, la plupart, ce n'était pas non plus. Effectivement, voilà. On ne fait pas dans un restaurant un truc comme ça avec des pizzas. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà, c'est pas. Mais, donc vous mais dites... quand ils viennent vous demander de compléter, vous dites déjà, ils font ça, c'est magnifique. Voilà, c'est... Merveilleux, Rabbi Yosef. Donc, la question aussi, oui. Est-ce que le Panim Hadashot se doit de manger du pain ou bien vous lui donnez un petit... Zoulot. Un petit
peut-être, pas un coca, mais en tout cas. Voilà. Donc tout salade. Ça, c'est des questions qui se posent. Et une autre question qu'il faut aussi poser, c'est combien de panim chadashot il faut? Est-ce qu'il en faut deux ou il en faut un? Il suffit. Hein. Top. Ok. Alors on va essayer de voir. Réponse. Mais bah, c'est pour répondre à cela, il faut rentrer un petit peu, comme toujours, dans le Omek Advarim, un petit peu. Quel est le sens du Panim Chadashot? Toutes ces questions, en fait, montrent qu'il faut définir le Yesod de Panim Chadashot et après, tout le reste, naturellement, sera résolu. Pourquoi Panim Chadashot? Ça change quoi? Depuis quand on a vu des brachot qu'on fait? Est-ce qu'il y a Panim Chadashot ou pas? Quel est le Yesod de Panim Chadashot? Quand on m'a dit Megillah, lorsqu'on fait, donc on fait chez Ayano, le lendemain, on ne fait pas chez Ayano, s'il y a quelqu'un qui n'a pas retenu. C'est pas Panim Chadashot, c'est celui qui n'a pas retenu. Ok, d'accord, je comprends ce que tu as dit. Alors on va essayer de voir. Les Maasé, donc il y a deux Havanot, deux compréhensions, deux interprétations à cette Gemara. Mikan Veilah, Rika Panim Chadashot, il est Mevarer, deux interprétations. Rambam, Rosh. Le Rambam dit que la raison qu'il faut des Panim Chadashot est la suivante, c'est que, en fait, tout celui qui assiste à une Simcha de Khatan, il participe à la Simcha de Khatan, il ne doit pas rester insensible. L'une des plus belles simachot qu'Hachem nous a offert, c'est Simchat Chatan Vekala. Et on n'a pas le droit de rester insensible. Lorsqu'on assiste à une simcha pareille, exactement comme la même façon que lorsque on voit un événement de la nature particulier, quelqu'un qui voit les Alpes, ouais. Et il est émerveillé par la beauté de la nature, ou bien quelqu'un qui voit la mer Méditerranée, il est impressionné par la beauté de la mer. Il doit faire une bracha. À chaque fois qu'il y a un événement qui nous touche, alors on ne doit pas remercier Hachem de nous permettre de vivre un tel événement. Alors la même chose à Derechze, les Sheva Brachot. Donc quelqu'un qui assiste à la Simcha de Chatan et Kala, il voit une joie d'un mariage, il se doit de faire la bracha des Sheva Brachot. Dit le Rambam, Panim Chadashot, c'est celui qui n'a pas encore remercié Hachem, n'a pas encore participé au Brachot. Lorsque je suis sous une choupa et qu'on récite les Sheva Brachot, à ce quelque part, je participe à un tzibour qui a exprimé les Sheva Brachot. Panim Chadashot, nous dit le Rambam, c'est celui qui n'a pas eu encore la chance d'exprimer ses Brachot et ce Shvach HaKadosh Baruch Hu, Shehakol Bara Lichvodo, Yotzer HaAdam, et il n'a pas prié aussi Sameach Tesamach, Reim Ahuvim, etc. Donc, d'après le Rambam, la Nikuda, elle est-ce que j'ai entendu déjà les Sheva Brachot pour ce couple ou pas? C'est moi, nouvel arrivant, ai-je déjà entendu ou pas les Sheva Brachot pour ce mariage? Donc, d'après le Rambam, donc c'est un Chiyuv, quelque part, qui est Novea, que lui, le Panim Chadashot, lui-même, il est mitrayev. Pourquoi il est mitrayev? Parce qu'il participe maintenant à une Simcha, nous, fait des Brachot. Alors, puisque Tsechayav, alors pourtant on va dire les Sheva Brachot. Donc, d'après le Rambam, tout celui qui a assisté à une Choupa, il a entendu les Sheva Brachot, même s'il n'a pas assisté à la Seouda. Ça y est, il a entendu les Sheva Brachot, mais c'est celui qui a assisté à la Seouda. Le Kovea, c'est pas la Seouda, le Kovea, est-ce que cette personne a déjà participé au Brachot ou pas? C'est la question. Rouven et Rachel se marient. Est-ce que tu as fait la bracha pour Rouven et Rachel ou pas? Oui, j'étais à la choupa. Ah, si tu étais à la choupa, tu as fait la bracha. Mais si j'étais pas à la choupa, j'étais à la Seouda, et tu n'as pas, je sais pas, les Sheva Brachot. Tu es venu, tu es parti avant les Sheva Brachot. Tu n'as pas fait les Sheva Brachot. Tu as participé à la Seouda. Soit tu as dansé. Mais tu n'as pas participé encore au Brachot. D'après le Rambam, à partir du moment où je n'ai pas participé au Brachot, donc c'est l'individu nouvel arrivant qui lui génère le chiyuv. Et d'après ça, c'est lui qui devrait faire la bracha. C'est une bonne question. Il y a Choliot que le fait qu'il est chayav, ça justifie que tout le monde puisse faire les brachot pour l'acquitter quelque part, pour se faire en tant que porte-parole. Comme quelqu'un qui n'a pas fait le kiddush, al derechze, alors on peut dire le kiddush pour lui. Donc c'est lui, il est chayav, il n'a pas encore. Donc c'est lui qui est chayav quelque part. C'est lui qui génère le chiyuv. Ce panim chadashot, qui est chayav, qui n'a pas encore exprimé ce shvach des shvach brachot, c'est lui qui est chayav. Donc si nous avons posé la question, quelqu'un qui a assisté à la choupa et qui n'a pas assisté au mariage, à la célébration, donc aux festivités plus précisément,
est-ce qu'il est panim chadashot d'après le Rambam? Non. Pourquoi? Parce que Ukvar, il a déjà participé à l'expression des brachot. Ça, c'est la shita du Rambam. Le Rosh, quant à lui, il a une autre compréhension de la définition de panim chadashot. Le Rosh, il dit que la définition de panim chadashot, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un arrive, il rajoute de la simcha. Il rajoute de la simcha. Ça veut dire que lorsque je me suis réjoui avec quelqu'un, alors ça y est, je me suis réjoui avec lui. Mais si je ne suis pas le khatan, ouais, je parle du khatan, le khatan ne s'est pas réjoui, alors dès qu'il arrive, oh, Baruch Abba, ça rajoute de la joie. Alors c'est cette panim chadashot, c'est pas lui qui est chayav. C'est pas lui qui est chayav parce qu'il n'a pas encore écouté. Il n'a pas participé aux festivités, donc le khatan, en le voyant, c'est une nouvelle simcha. Nouvelle simcha. Panim chadashot, c'est un nouveau visage, nouvelle simcha. Donc c'est plus la joie du khatan augmente, sur chaque dimension de joie, il y a un chiyuv de Sheva Brachot. Chaque dimension de joie supplémentaire, il y a un nouveau mechayev du Sheva Brachot. Ça c'est la shita du Rosh, l'Avkamina. D'après le Rosh, même si j'ai assisté à la Roupa, moi j'ai entendu, mais je n'ai pas participé aux festivités, je n'ai pas dansé avec le khatan, je n'ai pas participé à sa fête. Je dois, quand j'arrive, il est heureux que de maintenant que je participe à sa festivité. Parce qu'il me voit. Parce qu'il me voit et que ma présence le réjouit. Parce que je suis un ami intime. Si je ne le connais pas. C'est pas Panim Chadashot d'après le Roche. Ah. C'est pas Panim Chadashot. Panim Chadashot, c'est quoi Panim Chadashot? Panim Chadashot, c'est quelqu'un pour lequel même, marqué dans les poskim, quelqu'un pour lequel on rajoute un plat particulier. Imaginons que quelqu'un vient à la maison un Shabbat, je sais qu'il aime quelque chose, ou je sais qu'il a... Je rajoute quelque chose. Je rajoute quelque chose, elle connaît ma choubi chvodo. Panim chadashot, on attend le tonton. Alors le tonton, qu'est-ce qu'il aime? Ou bien, je fais quelque chose que je n'aurais pas fait pour, en son honneur. Ça, c'est un panim chadashot, il est mossif la simcha. S'il n'est pas mossif la simcha, c'est pas panim chadashot. Donc, d'après le Roche, l'histoire du restaurant, c'est pas bon. Et d'après ça, ça veut dire que le khatan, d'après le Rosh, il est tellement occupé sur la choupa qu'il ne voit pas tous les gens qui sont... Si, il voit, mais la choupa, ce n'est pas le moment des danses. Ce n'est pas le moment des danses. La choupa, c'est solennel. Ouais, ouais, il est là, il a toujours les larmes aux yeux. Et l'objectif, c'est de le toucher. L'objectif, c'est de le sensibiliser. Alors, il est joyeux. Et c'est une autre forme de joie. Et ça, ce n'est pas encore le... Ça, c'est donner des kochot, c'est donner... Oui, c'est le temps de jouer. Après, là, pendant la soirée, ça bouillonne. Et quand, donc, quelqu'un n'a pas dansé avec lui, ça manque. Ou Magia, il est sa mère. Il faut qu'il le connaisse, il faut qu'il rajoute de la joie. Et c'est valable pour le khatan, et il a qu'à la kala aussi. Si la kala est heureuse, la famille de la kala n'est pas forcément connue par le khatan. C'est pas non, mais c'est le khatan et la kala. Vous avez raison, le khatan et la kala. Quand le kala est heureuse, le khatan est plus heureux. Et quand le khatan est plus heureux, la kala est plus heureuse. Ouais, c'est le début, ça. Ça va ensemble. Au moins les 7 premiers jours. Et alors, en admettant que le bonhomme. C'est pas beau ce qu'on vient de dire. On reprend tout depuis le début. Non. On va faire ces kiyukim là. J'ai dansé un peu, pas beaucoup. C'est caché d'être mechalek. Regarde qu'il est là, il est là. J'ai oui dansé combien. Dès que tu as parlé à la soirée, c'est déjà considéré. Donc c'est à four. Le Rambam et le Roche, c'est à four. D'après le Rambam, tout dépend de ma présence à la choupa. Pourquoi? Parce que d'après le Rambam, le mechayev de Panim Chadashot, c'est de ne pas avoir exprimé. C'est le nouvel arrivant qui lui est chayav. Et d'après le Roche, à four, c'est à la choupa, ça change. C'est le fait de ne pas avoir participé aux festivités, parce que le nouvel arrivant, il est mechayev. D'après le Rambam, il est chayav, et d'après le Rosh, il est mechayev. Parce que le fait d'arriver, il rajoute de la joie. S'il rajoute de la joie, il y a un nouveau mechayev. Tosfot rapporte à Midrash, en Bavzeïl Amoudbet, que il dit comme ça, Omer, il dit, panim chadashot en kore la bebne adam, shemarbim bishvila simcha yoter. Le panim chadashot, c'est que des gens pour lesquels on rajoute un petit peu de simcha. Il arrive et... Baruch haba. Il y a des gens comme ça, vous les voyez. Ça rajoute de la simcha. Mais Shabbat,
de Hashvinam Panim Hadashot. C'est pas marqué dans la Gemara ça, que Shabbat c'est Panim Hadashot. C'est pas marqué dans la Gemara. Il dit, il y a marqué dans la Agada, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Amar HaKadosh Baruch Hu Panim Hadashot Ba'ulekan, Nomar Shira. Mizmor Shir Liyom HaShabbat. L'arrivée du Shabbat provoque un chant. Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Donc Shabbat provoque un chant. Donc Shabbat c'est Panim Hadashot. Ça c'est d'Afka d'après le Rosh. D'après le Rosh, alors le Shabbat, sa part simple présence, la joie du Khatan grandit. Il ramène qu'il y avait des rachés Yeshivot qui, durant la semaine, avaient un visage un peu... Enfermé. Enfermé. Austère. Non, je dirais pas ça, mais... Et là, tout d'un coup, Shabbat, Panim Hadashot, ils avaient un nouveau visage. On ne les reconnaissait plus, ça veut dire qu'ils étaient autres. Là-dessus aussi, Shabbat, normalement, il y a une atmosphère différente. Donc la joie du Khatan s'intensifie par la Kedusha du Shabbat. Exactement, donc c'est le même résultat qu'un nouvel arrivant. D'après le Rosh, Tosfot, il pense comme le Rosh, le fait d'arriver, ça provoque la joie. Donc la même chose, Shabbat est arrivé. Donc ça provoque de la joie, donc c'est pour ça que Shabbat n'est pas libre à la chose. Donc Shabbat Khatan, c'est que des gens qu'on a vu toute la semaine, ça marche. Ça marche, tout à fait. Shabbat, c'est pas libre à la chose. Ça, c'est Matim d'après le Roche. Mais d'après le Rambam, c'est pas Mouvan. Le Shabbat, riff, il n'est pas Khayav. Hein? Et le Rif, alors donc ça, c'est le Rambam et le Roche. Donc il y a beaucoup d'Afkaminot. Donc d'après le Rambam aussi, à Choliot, que quelqu'un qui ne rajoute pas tellement de Simcha, comme le cas de... Non, pas la Simcha, sauf quand Sophie participe. Enfin, d'après les deux avis, on a besoin que d'une personne, monsieur. On va voir deux secondes, combien, une ou deux, Razak. Aval l'alcool panim, d'après le Rambam, on n'a pas besoin que ce soit quelqu'un qui est barbine bichoulo. Le fait qu'il arrive, il est très... D'après le Roche, il faut que ce soit... Il rajoute le Simcha. Non, il y a Choliot que d'après le Rambam, il faut qu'il participe à la Seouda, parce que nous on fait Sheva Brachot qu'avec la Seouda. Ouais, on ne fait pas Sheva Brachot sans Seouda. Alors qu'il y a des Rishonim qui racontent, qui disent que Sheva Brachot, c'est l'homme d'accueil de la Seouda. Lorsqu'il y a un tzibour qui se rassemble, les Chvod HaChatan, ils racontent dans les Rishonim qu'à leur époque, chaque Shabbat, après la Tfila, ils sortaient toute la communauté dans la maison où se trouvait le Khatan, ils faisaient Sheva Brachot et chacun rentrait chez eux. Il n'y avait pas de Seouda, pas de Kiddush, pas de truc. Faisait Sheva Brachot. C'est-à-dire que toute réunion autour d'un Khatan, il me chayevait Sheva Brachot. Alors nous, aujourd'hui, on ne fait qu'avec du Lechem, qu'avec une Seouda. On ne fait pas. D'après le Rambam, si le Panim Khadashot, c'est lui qui est chayev Echoliot, qui doit participer et manger du pain. Alors, d'après le Roche, imaginons, il n'a pas mangé du pain, mais on a rajouté un piment pour lui. Comme on a rajouté des piments pour lui, il les a goûtés ou pas, mais sauf, il a rajouté de la joie. Lui il est Mechayev, d'après le Rambam c'est lui qui est Chayav, d'après le Rosh il est Mechayev. Tout ça c'est les grosses soubiot, voilà, Baruch Hashem, ça c'est Tamtzit Sheba Tamtzit. Ceci étant, la halakha elle est comme le Rosh, le Minhag il est comme le Rosh, voilà, plus précisément. Le Shulchan Aruch, quand il ramène donc ses deux avis, il conclut que même si finalement le Rambam avait le Minhag il est comme le Rosh, et donc c'est Tosefet Simcha. C'est pour ça qu'un jour à la Yeshiva de Slabodka, Il y avait un Sheva Brachot, et puis un des Rashi Yeshivot là-bas, il a appelé les serveurs ou les cuisiniers qu'il y avait dans la cuisine pour Panim Hadashot. Alors il y avait le Chazon Ish là-bas, dans cette Et alors il dit, oui, Panim Hadashot. Il a dit, Kol Yehudi, ah, chaque juif, il nous rajoute la Simcha. C'est pas le Chazon Ish qui a dit ça, attention. Alors le Chazon Ish, il dit, si les femmes, elles rajoutent des aliments pour ça, pour cette Svara, alors oui. Ça, il faut le dire à la cuisine. S'ils réagissent, alors oui, il est Panim Hadashot. Sinon, non. Donc avec tout le moussard, effectivement, toujours qu'on devrait avoir l'alcool Panim, si c'est pas quelqu'un qui rajoute vraiment de la joie et dont l'arrivée est attendue et réjouissante, ah, c'est pas Panim Hadashot. Il faut faire attention. C'est pas Pachout. Ça veut dire, Arshav, si on invite des voisins, alors il faut que le Khatan, il dise, ah, il faut qu'il sente une petite Simcha. Mais si, il est inconnu. Inconnu, c'est pas. Dachouk Tzat. Enfin, je sais que le Minhag, il est oui, hein, de faire comme ça. Hein. Dans toutes les.
Ah ben, les perso, si ça pareille chose arrivait, alors il y a moyen, je vais vous dire, il y a moyen. Il y a des, il faut pas dire non, on peut pas nimcha la chose, faire le lourdeau et parce que les maasé, il y a déjà le Rambam, mais en plus comme ça, s'il y a des divrei Torah, c'est-à-dire il y a divrei Torah, l'objectif des divrei Torah dans un Sheva Brachot, c'est de réjouir le Khatan. C'est pas d'étaler son savoir et sa culture. Il faut réjouir le Khatan. Il faut lui dire qu'il est gentil, qu'il est doux, qu'il est intelligent, qu'il est beau, qu'il a une kala merveilleuse, de bonne famille. Tout ça, ça lui rajoute. Et donc le fait qu'il y a quelqu'un qui sait bien parler, c'est ça l'objectif. C'est pas commencer de faire un pilpoul, etc. Un beau devoir Torah réjouit. Pour les connaisseurs. Un beau devoir Torah réjouit. Et ceux qui ne sont pas connaisseurs, alors chacun, il faut s'adapter à son niveau. Il y en a qui aiment, c'est comme les plats, si tu leur mets beaucoup de poivre, ils sentent. Il y en a qui ont les papilles gustatives très sensibles, et ils arrivent à goûter aux nuances les plus... C'est la même chose dans des livres Torah. Il y a des fois, il faut dire des choses bien épicées, et d'autres fois, avec les petites finesses, ils se délectent. Chacun en fonction de son niveau. Et ça, donc, c'est Oudash Lichit, par exemple. C'est Oudash Lichit, Shabbat, matin, chaque vendredi soir, va dire qu'on n'a pas besoin de panim chadashot. Shabbat, c'est panim chadashot. Il y a une seouda conséquente. C'est une seouda shlichit à l'époque. Seouda shlichit, il te ramène les shiraïm. C'est pas. Hein? Machine chale, c'est Shabbat. Voilà. Donc, à partir du moment où Aval aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des. Le traiteur, il ramène. Des nouvelles choses en général, je pense. Et puis, alors, en général, on dit que chez les Udashichit, s'il n'y a pas de vrai panim chadashot, on ne fait pas. Aval le bar, il dit que s'il y a des bons divrei Torah, etc., ça réjouit avec Shabbat et divrei Torah. Ikaron, idéalement, il faut que le panim chadashot, il rajoute de la joie. S'il ne rajoute pas de la joie et qu'il y a aussi des beaux divrei Torah qui ont été dits et que. Alors il faudrait que l'invité il rajoute quelque chose, il lui dit ah, vas-y fais une petite dracha ou en tout cas qu'il y a quelque chose. L'invité apporte avec lui une bouteille de boucha. Voilà, ça c'est panim chadashot. Mais là c'est pour lui tout seul. Mais Shiva Brachot ça compte pour le jour même ou pour le soir? Parce que s'il a fait le vendredi soir Shiva Brachot, il a déjà fait pour Shabbat. Oui, mais c'est pas grave. Chaque Seouda. Si vous faites donc, il peut faire plus que 7 alors. Oui, chaque Seouda, chaque Seouda, il peut faire Shabbat Brachot. Donc, il peut être exemplé le samedi soir. Oui, comment c'est pas. Il y a Shabbat Brachot. C'est bien de faire, mais s'il a pas, il n'y a pas. S'il profite qu'il y ait un minyan, etc., il peut faire. C'est mieux. Mais il faut que ça ne soit pas du Khadashot. On n'est pas khayab de faire. C'est bien de faire chaque jour des Sheva Brachot. Aval. Si on fait deux fois par jour, au petit déjeuner, on fait un Sheva Brachot, les Khvod Akhatan. On s'est réunis les Khvod Akhatan. C'est pas ça, mais. Là, on fait quelque chose, les Khvodo. On amène des pains au chocolat avec la baguette pour le Khatan. Alors on fait Sheva Brachot. Et à midi, on se réunit encore autour du Khatan ailleurs ou ici. Les Khvodo. On peut faire autant qu'on veut. À chaque fois qu'on se réunit autour d'un repas. L'Ikhvod Khatan avec Birkat Amazon, on fait Sheva Brachot. Même Sheva Arvit. Même Sheva Arvit. Et donc ça, c'est donc les Sod, et c'est pour ça que, comme on a dit, le Minhag, il est comme le Roche, en conséquence, comme on a dit, si quelqu'un était à la Choupa et il n'était pas à la Seouda, alors il ne conclut pas Panim Chadashot. Mais inversement, il était à Seouda, il n'était pas à la Choupa, alors il ne compte pas en tant que Panim Chadashot. Les Khatrilov, un Panim Chadashot qui réjouit. Shabbat est considéré Panim Chadashot parce que le Minhag, il est comme le Roche. D'après le Rambam, on ne voit pas trop comment ça pourrait Panim Chadashot. Et même s'il n'a pas mangé de pain, et les Khatrilov en faut deux. Comme ça, c'est marqué dans les Rishonim, Panim Chadashot. Il y en a qui disent que Panim, c'est au pluriel parce que tous les jours, il faut un Panim Chadashot. Mais Panim, à la Khalema, c'est les Khatrila, on ne fait Panim Chadashot que quand il y a de Hazak ou Baruch. Mais là, je précise, pour terminer, il ne faut pas commencer à faire le Mahmir. Il faut laisser les choses se dérouler, parce qu'il y a Tadishmaya, en étant très délicat, en disant quelques trucs, sans être pesant et lourdeau. Bien sûr. Faut se faire en finesse. Voilà. Avec... Voilà. Voilà.